Cause we can't trust ourselves Pascal, so. bienvenue au French Cast. Thanks. Uh, I'm happy to be here. Bienvenue, c'est le French Cast. OK, so I can. Alors, okay, On sait que, que tu es vrai. trilingue. Je suis trilingue. Uh, trilingue. Buenos Oh, Moi, je pensais que c'était chinois. Chinois. C Cantonese. Uh, je, ouais, je l'ai, mais c'est surtout juste le, le cantonais qui parle en français. Oh, c'est ça. Mais je peux plus faire cet accent-là parce que c'est considéré comme raciste aujourd'hui. Pour qui? Euh, C'est un accent. Moi, moi, un gars avec un accent, <laughs> moi, je peux faire des accents. Il y a quatre personnes là, qui maîtrisent bien les médias sociaux là, qui peuvent me faire des menaces de mort là à répétition là. C'est quatre justice warriors là, là qui tu vont. Tu maîtriser. reçois encore des menaces Moi les tu gens, voir? moi je reçois pas de menaces. Good. Jamais. Euh, je suis vraiment chanceux puis je pense que je pense, je pense que j'ai euh, moi j'ai un humour assez engagé puis les, les gens comprennent le deuxième niveau. Je arrivé à un moment donné, là, aussi qu'une fille qui avait en fait un gros affaire de hate. Elle avait pis, dit quoi? ah euh, oh, euh, c'est parce qu'elle avait parlé pendant le show, puis je l'avais comme vraiment. J'avais dit de fermer sa gueule, mais de okay. façon vraiment. Agressif? Pas agressif, mais clever, du fait que tout le monde a ri, peut applaudir, puis qu'elle s'est sentie probablement humiliée, en fait. Okay. C mais c'est ça qui se passe. C'est ça qui s'est passé, en ouais. fait. Fait que, elle après ça, elle a marqué des gros messages sur Internet, mais en général, je euh, suis très ami avec euh, la frange plus engagée, humoristique. là ouais. Moi, c'est vraiment des gens avec qui je suis très proche. Puis, euh, on partage vraiment souvent des valeurs communes. On a juste pas la même façon, en fait, de communiquer, là. Ouais. Moi, j'ai communique vraiment comme un homme blanc hétérosexuel qui a. Pas oh. vraiment, je trouve pas, mais continue. Ah, pour vrai. <laughs> <laughs> T'as juste à lire nos messages. Oh, you talking? Yeah, T'as juste à lire nos messages. Puis... C'est quoi nos messages? <laughs> nos messages, comment qu'on s'écrit, là? C'est pas cool. bon, on peut pas sortir ça. Je sais même pas qu ce que vous écrivez entre vous, mais je suis sûr que c'est. Il y, a, il y a beaucoup d'islamophobie, ouais, mais... homophobie, non, transphobie, c'est juste ça. Il y a juste de la grecphobie, genre. Ouais, c'est ouais. ça. c'est juste... tout ce que je viens. Ça, c'est de bro. C'est de l'homophobie, C'est de l'homophobie. Non, vous êtes pas homosexuel parce que vous êtes grec? Oui. Oui? Oh, shit! <laughs> J on a inventé l'homosexualité. Je ne vous l'avais pas inventé. Vous l'avez pas popularisé. On... Non, c'était pas nous qui avons popularisé Ou, on, ça. On, je sais pas. On a... Non, on a inventé ça. Les Italiens ont popularisé ça. Ah tu penses? Ouais. les Romains ont popularisé ça, ouais. puis les Grecs ont juste started shit. Je ouais. okay. pense qu'avant nous personne. C'est sûr qu'avant vous ça existait. Ça, avant ça... nous ça n'existait pas. C'est ça. que vous vous avez commencé à le brander un peu dans les <laughs> genre vous aviez des ardoises. Les aussi... Égyptiens après nous étaient comme oh fuck finalement ça c'est une idée. Oui oui. Vous avez juste volé une idée qui existait déjà. C'est terrible. c'est ça que c'est ça la Grèce c'est voler avant. qu'est-ce <laughs> qu que tu euh, qu'est-ce que tu fais de bon maintenant avec ta vie? Oh, Amen. Euh, plein d'affaires, en fait. Euh, j'ai vraiment du plaisir, en fait. Là, là on dirait que je m'en sacre de plus en plus, puis je fais juste ce qui me tente, comment ça me tente. Euh, même euh, pendant longtemps, je drivais mon, mon énergie humoristique avec la peur du jugement des gens de mon milieu. Ah, même, oh, ouais. ouais, même, je voulais plaire à, aux gens de mon milieu, puis euh, genre que les monde que j'aime m'aiment. Que... C'est impossible. Je sais, puis c'est pour ça que là, je m'en calisse, fait que là, j'ai vraiment du fun, là. J'écris un nouveau show, j'écris des trucs qui me font rire sans penser à qui va aimer ça. Je pense même pas au récepteur. l'autre bout, je fais juste écrire des trucs. Puis j'espère que le monde embarque dedans. Puis à date, le monde embarque vraiment mieux dans ces propositions-là qu'il embarquait dans les autres propositions c'est que j'ai envie que je faisais comme aimer moi. Puis là, pis là euh, ouais, fait que là, je suis vraiment, euh, vraiment chanceux. Je travaille beaucoup. Je travaille juste sur des affaires qui me tentent. Euh. J'ai un chalet, un spa. La vie est belle. La vie est belle Un chien. Vrai. Un chien, man. Il y, a, il y a quelque chose qui est le fun, là. Je vais avoir 40 ans bientôt, là, moi. Brag. Euh, hein? Brag. T'es-tu 40? Ans? Non. T'as quel âge? Je, je dis pour toi, Brag. Mais toi, t'as quel âge? 37. 37, ah, t'es un enfant encore. Ouais. <laughs> <C 'est... rire> Lui, euh. Moi, j'ai 53. Mais il a l'air 53 et divorcé, mais je pense qu'il a 30. Ouais, j'ai 30. T'es 30? Ouais. T'es tout petit. Ah ben ouais. Non, ça, c'est pas vrai. <laughs> On peut le voir, il y a une caméra pour l'arrêt. Ah euh, non, t'as quel âge? 30. 30? Oh, genre il a juste pas l'air 30. Il ouais. est pas petit. Mais c'est parce qu'il est massif. Non, c'est pas, pas juste ça, c'est juste sa face. Il, comme, il a l'air de quelqu'un qui a vécu quelque chose. Comme la guerre en Syrie ou quelque chose. Comme, il a vu des choses. C'est ça qu'il a vu des choses, puis il les a pas, pas tolérées. Ouais. Il est pas capable d'assimiler ça. Il tolère rien, lui. Mais il est tellement gentil. Pas les, pas les musulmans, ni le lactose. Mais je, tu, et Puis les deux, et des fois, ils sont ensemble. Ça, hein. Des difficile fois, il y a des lui. musulmans qui boivent du lait. Là. Ça le fâche. Ah, ça doit être, oh, il doit être fâche. Oh, quand ils voient un assassinat... Mais il peut rien faire. Là. Il peut rien faire parce qu'ici, il se rapproche trop. Puis peut-être, il va boire un peu. Il va se chier dessus. Alors, il peut rien faire. Je peux juste regarder de loin puis être fâché. Y, y a-tu peur de devenir musulman s'il si parle à un musulman? Euh, ouais, on peut le tweaker peut-être. On peut, peut le chouiquer. <laughs> hein. ouais, quoi? Quoi? C'est comme <laughs> c'est pas vrai. Non, il mange trop de porc. Ah, oh, good job. Good ben, job. Ben, je suis probablement lactose intolérant, mais. Ouais. Je. je I raw dog it. Raw dog it? Wow. Il pense qu'il est intolérant parce qu'il il chie dessus beaucoup, puis il pense que c'est à cause du lait. <laughs> yeah. Moi, je pense que c'est à cause de son diète au complet. Mais, mais, mais moi on peut jamais trouver de lait. Mais, non, mais je veux dire quelque chose dès que je mange du fromage ou euh, de la crème glacée ou quelque chose qui est very heavy in dairy, yep. automatiquement. Toilette. Oui, mais mais ça, je, moi, je t'ai déjà vu manger. Puis c'est d'une violence. Là. <laughs> Juste, man, ça l'a pas d'aussi. Je, je vais prendre cette assiette-là, l'entrée-là, l'autre assiette-là. si jamais il y a des restes en cuisine, pouvez-vous me les apporter? <laughs> c'est ça ta commande. S'il y a quelque chose qui tombe à terre, je t'ai le pas. Je vais le manger. <laughs> C'est sûr qu'après ça, tu chimoues pendant un mois. Même. Ouais, Il ouais. n'y a pas de sens. On était à New York. Mais puis après, comme, c'est le C'est le c'est ça, ça je... je mangeais en face de Mike, puis les deux, on était comme. Il faut que tu crisses ton cal au bout là-bas. Ah là Ouais, là ouais, là ouais, ouais, je me souviens de ça, ouais. Attends, je ne m'en mais... rappelle pas, quoi. Dans le resto, on... il y avait mis de l'eau au le siège pour que tu t'en. Pour que tu t'en ailles, ailles à l'autre bout, bout avec tes 4 Ouais, ils pouvaient pas manger devant toi. Ah, oh, sérieux? Ouais, c'était oui, dégueulasse. C'était comme... <laughs> trop pour eux. Puis moi, je riais parce que j'ai vu tout le scénario. Ah, je pense que je me suis assis sur l'eau en plus. Ouais, tu t'es relevé, t'as fait « oh shit ». Puis là, j'ai dit « la télé coule ». Puis t'es allé t'asseoir à l'autre bout. Mais, <laughs> Mike, puis Mike et tout le monde était comme « la télé coule ». Comment il a cru « la télé coule <laughs> » Je m'en rappelle même pas. Euh, <laughs> moi, j'observais tout ça j'étais comme « c'est facile ». Euh, euh, on l'a eu, on a checké, mais. Michel, comment j'ai cru la télé? Cou... La télé coule, mais. Mais t'étais fâché aussi parce que tu voulais Non, Tu sais, t'avais déjà commencé, alors toi, t'aimes pas ça qu'on t'arrête pendant que tu manges? en enfin, fait, on dirait que t'avais faim, puis t'étais pas capable de tolérer ta faim, tu sais. Ouais. Comme t'étais fâché d'avoir fa... faim. Comment je me suis rendu à avoir faim? Tu sais, dans cette question-là que tu te poses, là, comment... pourquoi j'ai faim? Je suis posé de manger avant avoir faim. C'est pas ça ma vie habituellement. <laughs> T'étais comme là-dedans, comme la psychologie de ta nutrition. as tu fait des voyages récemment? Chose de fuck, focal en fait. J'ai arrêté de faire des voyages. Euh, on était supposés en faire un avec ma blonde. Puis euh, environnementalement parlant, on se trouve un peu stupide de voyager encore. Là. Déjà qu'on voulait faire un voyage pour nos 40 ans, fait qu'on se disait comme Ah, fuck. Au lieu d'aller prendre des vacances. À cause de l'environnement? Ouais, à cause. Euh, en, on, tr on trouve ça un peu absurde, là, d'être. Euh... De prendre des vacances? Euh, pas de prendre des vacances. On est allé au chalet prendre des vacances euh, tranquilles, ça, mais on n'a pas voyagé, mais on avait prévu voyager à la base, t'sais. Mais t'as pas voyagé à cause. Du, de l'environnement? Oui, de l'impact environnement. ouais, de environnemental des voyages. Vous êtes-tu des fucking malades mentales? C'est quoi ça? De quoi non, tu euh, parles? Je hein? trouve qu'il y a besoin d'un peu de cohérence. Là. Je, je trouve qu'il y a comme tout le monde s'inquiète pour l'environnement, mais tout, ouais. le monde, tout le monde est dans le sud, sur des plages. comme. C'est les choix. Moi, je respecte les choix des autres. Mais pour moi, moi j'ai besoin de cohérence là, dans ma vie. Mais alors, toi, tu penses que si euh, le pilote, il va voir que shit, Pascal Cameron, il n'est pas sur cet avion-là. On ouais. arrête le vol. Le vol va arriver. Ah oh, non, mais, non, mais c'est pas. Euh, tu fais pas ça. Euh... Tu veux arrêter quelque chose? Parle à ton ami Taylor Swift. Yeah, Demande-là d'arrêter ses shit. Je sais, mais si tu sais, moi je sais que ça, ça vaut euh, pratiquement rien là, ce que je fais là comme action, mais s'il y a eu plus j'aime ben... que tu penses assez pour faire quelque chose de même. De dire, tu sais quoi? Je peux le faire, mais je refuse parce que je veux pas contribuer. Ouais. ce que je sais qu'il est mal, ça, je respecte ça. C'est comme un peu, genre, tu vois comme tous tes chums aller comme, pendant la Deuxième Guerre mondiale, aller comme travailler pour les SS, puis toi, tu ouais. fais... Ah, je peux y aller aussi, comme tout le monde, là, mais ah, je vais peut-être rester à la maison où j'ai tuer du monde. Ouais, je pense pas que c'est la même affaire. C'est pas du tout la même affaire, t'as ah. raison. <rire> <rire> mais je trouvais ça un peu niaisant, parce que, dis, nous, on est végétariens à maison pour l'environnement. Y a comme de, Moi, c'est pour ça ma raison d'être végétarien. Oh ouais? Fait qu'après ça, je fais... Ah, c'est un peu niaiseux si toute l'année, je mange pas de viande, puis qu'après ça, je m'en vais m'écraser le cul sur une plage du Sud, puis là, que je prends un avion qui est complètement... C'est aberrant. Puis je sais que Drake devrait... Drake, il nous écoute, c'est sûr. Ouais. Lui, il devrait arrêter de prendre son jet privé. Puis Taylor Swift aussi il devrait arrêter de prendre son jet privé pour aller fourrer Travis Kelsey, puis après ça, aller faire un show au Japon, puis revenir pour le Super Bowl. Tout ça est complètement ridicule. Fait qu'elle... C'est vraiment plus le problème que euh, Jérôme Thibodeau de Saint-Jérôme qui a le goût d'aller s'asseoir une, une fin de semaine à Cuba plutôt que Taylor Swift qui prend un jet privé à tous les deux jours. Est-ce que tu mais veux, Swift, hein, que tu veux aller avec moi en Chine ou en Inde pour qu'on puisse faire des protestes, des manifestations contre la pollution? J'aimerais vraiment aller dans ces deux pays-là. Ça me fascine C'est les deux pays qui, qui contribuent le plus. Oui, mais pas par personne. C'est parce qu'ils sont vraiment beaucoup... Mais par personne... Non, c'est à cause de leur industrie. C'est pas eux, maintenant, ils vivent leur industrial age. Yep. Alors, ils polluent comme... C est, c est, c est... La différence, c'est comme si on est dans deux dimensions différentes. Mm. Les deux, ensemble, ils détruisent toute la terre au complet euh, en, en pourcentage. C'est fou. Oui, mais c'est... Parce que c par capita, c'est... Tu sais, regarde où ce qu'on est, mais le Canada est vraiment fucked up. Là. 8 tonnes... Voilà <coughs> ouais, la personne, Chine. Euh... Mais va voir au Canada. On est 14. Damn! No. Ça. le Canada on est vraiment plus wrong ». on a des VUS puis tout c'est bon ce qui arrive avec la classe euh, c'est ce qui so go up scroll up Non 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 go to the US and Canada si on est 14.9 US 14.2 Canada euh, la Russie c'est quand okay, même no, no, la no, no, no. Uh, OK non 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 OK I don't want to know per capita because it doesn't make any sense on, on, on est 30 euh, on est 30 millions de personnes 36, 35 36. on va dire 40 millions de personnes Et on, on a le même que les États-Unis oui, mais c'est par personne. Exactement. Ouais. Moi, je yeah, m'en fous par personne. Sense, yeah, moi, je veux le totali la totalité. Je comprends, mais. Parce mais, que si on a un pays pas. avec une personne avec une SUV. C'est ouais. juste à le pays, il y a une personne dans le pays, puis c'est une personne avec un suivi, puis on dit, ouais. lui, il contribue la même affaire. Ça, ils font ça parce qu'ils ne veulent pas dire la fucking vérité. Puis la vérité, c'est qu'il y a deux fucking pays qu qui contribuent ouais. massivement. Ouais, on ne mais... peut pas essayer de, parce qu'ils sont un billion de personnes chaque, de, de lancer la blâme. C est, c est, non, 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 non. Non, mais c'est parce qu'en en fait, ce que je vais t'expliquer, ce, ce qui arrive avec l'Inde, ouais, euh, l'Inde si et la Chine. Si on regarde par personne, c'est sûr que Canada et les États-Unis, on est, on est les pays les plus modernisés de la planète. L'Australie, c'est 15. C'est plus que les États-Unis ouais. par point 1. Mais il euh, y a aussi beaucoup plus de personnes. Comme Pantelis a dit, il y a comme 1,6 billion en Chine. Nous, on est 30 millions. fait que je, je, quand, je... Quand La pollution par personne... Tu comprends ce que oh, de yeah, course, je veux dire? Compre je temps. comprends 100 ce que vous voulez dire. Pour ouais. moi, tout ça... Moi, je faisais des conférences sur le changement climatique ouais. avant. Ce n'est pas deux le Grecs Japon. du nord de Montréal qui vont m'apprendre des choses. Ouais. Ce que je veux dire... Euh, centre de Montréal. Si on regarde... ça, vous de où? Mais... Ce que je veux dire, c'est, en fait, si par exemple, tu prends la Chine, tu la divises en petits pays, ouais. ça devient quand même que leurs plus gros moteurs pollueurs vont être les grosses villes. Tu sais. ouais. Puis les villes qui sont plus rurales sont en général moins, qui polluent moins. Tu sais. Mais. C'est pas, pas ça que je veux avec... dire pour la Chine. La Chine, le problème, c'est pas que. Le problème, c'est la manière où ils polluent. Ouais. C'est eux utilisent des techniques que nous, on a arrêtées parce qu'on savait que c'était trop rough ça, ça pour l'environnement. Ça, c'est vrai. Puis on a fait des contrats avec eux, puis ils s'en foutent parce qu'on fait rien contre eux. Oui, mais tu veux faire quoi? Tu sais, nous autres, on a enjoy le shit pendant 100 ans. Maintenant, les autres commencent à sortir la tête de l'eau. Ils commencent à avoir une classe moyenne qui mange de la viande. Ouais. <laughs> puis les autres commencent à voir « Christ, j'ai du poulet dans mon assiette ». Parce que là, c'est ça aussi le problème avec la Chine, c'est qu'il y a une classe moyenne qui se crée, là, tranquillement, pas vite. C'est des gens qui ont plus de moyens, fait que là, ils peuvent consommer de la viande, fait que là, les, la population devient de plus en plus polluante par personne. Tu sais. ouais. mais, mais moi, je veux juste dire, pour l'industrie, okay. ouais. moi je te dirais parce que comme tu as dit, tr... oh, je ne veux pas qu'ils arrêtent, je veux pas qu'ils deviennent un pays du tiers. monde Mais je veux dire, on devrait aider à contribuer pour des, euh, des manières de faire pour l'industrie qui sont euh, euh, moins qui sont plus modernisées. Oui, mais qui, qui a jette les affaires qui sont faites en Chine? C'est ça, c'est ah. nous le problème. Arrêtez d'acheter des affaires qui font en Chine, leurs industries ne vont plus fonctionner. On ne peut, que, que on on peut pas faire ça parce qu'on a déménagé toutes nos industries envers la Chine. Alors, mm. c'est tout ce qu'on achète vient de la Chine. C'est ça le problème. On, il il ne reste plus des industries ici. Si avant, le monde faisait ça et ouais. on va plus acheter ça parce qu'on veut aider nos propres industries. Ouais. On n'a plus d'industrie physique. Vrai. On n'a plus d'industrie physique. On a beaucoup de industries euh, numériques, mais pas de physique. Est-ce qu'on est qu peut aussi un peu peut-être euh, revoir notre... Euh Puis je vais juste dire une chose. Ouais. Russie, Canada, États-Unis, il y a, y a des places dans ces pays, surtout la Russie où il fait très... Très froid. Brag, ok. Puis pour le froid, t'as besoin de te réchauffer, sinon ouais. tu vas mourir. C'est pas ça le problème. Comme ici, a... c'est pas à cause qu'on se réchauffe. C'est les choses excessives qu'on n'a pas vraiment besoin. C'est vraiment ça. Moi, je veux. Mais Moi, a... je vois pas une future où on arrête tout. C'est pas ça. C'est juste qu'on on contribue parce qu'on a des choses qu'on n'a pas besoin, qu'on veut juste pour du fun. Puis ouais. on, on fait beaucoup de gaspillage. C'est ça le problème. C'est pas les choses qu'on a besoin. Mais il y a quand même raison que tout ce qui est chauffage, tout ce qui est électricité. Ça va être plus. Tout... Ça, ça, ça va être plus ouais. que. Le Mexique n'a pas besoin de chauffer quand il fait moins 20 l'hiver. Ben, l'Inde est vraiment... Euh, tu vois, comme l'Inde, ça fait chaud là-bas. Ouais. Ouais. C'est 7 point. du monde. Ben, 29,18, euh, la, la Chine... La Chine, 30 Ouais, c'est Mais, de, mais ouais. yo, la Chine, ils euh, fabriquent ah, tout, ouais. bro. La Chine travaille euh, 24 heures sur 24. Ah, ça, ah Ouais. Ben, euh, il faudrait les appeler. C'est trop compliqué maintenant parce qu'on est trop... Euh, tout est trop interconnecté. Ouais. Ça va prendre beaucoup d'efforts. Mm. Euh, moi, moi c'est ça que je dis. Moi, je veux pas que le monde arrête. C'est même pas les autos qui me dérangent. C'est juste une manière de de faire. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des, des, des autos qui contribuent à ça Comme je sais qu'ils parlent maintenant de, de hydrogène, des autos qui sont powered ouais. by hydrogène. C'est ça. Moi, je veux qu'on qu qu mette notre argent puis notre effort dans les choses de même. Parce que les autos électriques, c'est qu'ils vont arrêter ça bientôt. Hein? Ça contribue. Ça détruit la planète. Ça coûte trop cher. Mais on, on était tout excités, puis on a, mis, on a mis tout notre argent dans les autos électriques. Puis maintenant, on voit que le futur, c'était vraiment les, euh, les auto automobiles et d'hydrogène. Parce qu'il y a comme euh, un problème avec l'électricité, ça dépend d'où provient ton électricité. Mm -hmm. Si ton électricité est verte, là, c'est le fun d'avoir des autos électriques. Okay. Mais on peut ici, pas. Si... Comme aux États-Unis, c'est du charbon encore. Mais même ici, si on va dire c'est vert. On va dire on avait des. On, on a, il, il, sort pas assez d'énergie pour donner pour toutes les batteries si tout le monde avait des autos c'est impossible ça n'existe pas ah ouais, alors c'est ça le problème mais moi on je dis... pas on, on produit pas assez d'électricité pour fournir des autos pour tout le monde c'est ça que tu dis non non euh, on, on pour avoir toutes euh, qui changent en, en, en format électrique alors ouais. l'auto électrique pr pr prend trop d'énergie mmh. ça c'est juste une auto si tout le monde qui a une auto maintenant change euh. électrique on n'a pas les charges on n'a pas les moyens pour les charger puis ça prend trop d'électricité, puis ça, 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 puis en plus les batteries, c'est du... Ouais. On ne peut rien faire avec quand ils sont finis. Moi, je pense que le futur va être hydrogène, parce que notre futur doit être clean. Ouais. On n'a pas le choix, on devient de plus en plus euh, nombreux. Ouais. Ça va être clean. Puis moi, j'ai vu des exemples, il m'a envoyé des vidéos, lui, parce que moi, je pensais que impossible d'avoir des autos à hydrogène, parce que s'ils crashent ensemble, ça va exploser. Parce que c'est une ouais, ouais. petite bombe. Mais il y en a, puis je... il m'a montré une vidéo de comment il... tu vas aux stations de gaz, comment ouais. ils te changent. Tu vas là-bas, puis c'est une pipe que tu vas puis ça, ça le remplit d'hydrogène. Ouais. C'est très très facile, c'est très simple, c'est cheap, c'est beaucoup c'est de, de l'hydrogène. Ben oui. Ouais, pis, Toyota euh... est en avance sur ça Toyota là, fait non. des choses. Moi je pense que c'est ça le futur parce que on peut sinon ça va être dé... toutes les places vont être dégueulasses, ça va être juste la pollution partout. Hum. Mais ce qui euh, ce qui euh, ce qui la planète beaucoup c'est aussi les gens qui changent les chars à tous les deux ans. Là. Euh, ben, ben, ça... tout ça c'est weird parce que non non parce que tu faut tu construis une nouvelle auto puis Ouais, Construire la nouvelle auto. Moi, je suis mieux. Là. Moi, j'ai un Civic 2012. Mm, bon c'est plus éco-responsable de garder mon Civic jusqu'à ce qu'il meure que de changer, par exemple, pour un auto électrique aujourd'hui, mm -hmm. puis d'utiliser l'électricité parce que produire l'auto, le métal, le plastique, tout ce que c'est de la petite cochonnerie. Fait ouais. On est vraiment mieux de, de, de garder nos chars le plus longtemps possible. Je suis avec changer. toi. Oui, vraiment. Je suis avec toi. Puis c'est aussi moins cher, Mané, tu le payes ton char, là. Fait que t'arrêtes de payer 600$ par mois pour un char. Puis un Civic ou une Accord, euh, euh, bien, une auto oui. que ça va survivre, puis ça va pas comme détruire euh, dans deux jours tout ça. Ça, c'est bon. Ça, c'est des bons autos. Et oui, 132 000 kilos. C'est un 2012. Je l'ai pogné à 89 000. juste 32 000. Cent, 132 Quand même, ça, c'est rien pour un bien. Civic. Mais je l'ai pogné. C'est une, une madame qui venait de le dropper euh, un concessionnaire. Moi, j'avais pogné un accident de perte totale avec mon Civic 2004. Puis, euh, je suis arrivé là, il était à 89 000 kilos. Je l'ai pogné, puis j'ai aucun problème depuis. T'as payé combien? Hey, je pense que j'ai payé 10 000. Oh, oh, quand ça? Quand ça? 2012. Mais euh, ben, moi, je ne l'ai pas acheté en 2020, genre. T'as juste. Oh. oh! Juste avant le. Parce que, avant... à un moment donné, ce, ce char-là, 2012, avec ah. euh, 89 km, ça valait genre 16 000. Ça n'avait aucun bon sens. T'as eu un bon pogné deal avant ça. T'as eu un bon deal. Yep. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime les autos qui. Cache qui pas. vit, tu sais, qui restent, là. Moi, je ne veux pas des autos qu'à à chaque deux ans, tu as des problèmes. C'est ça le problème non. avec les nouveaux tous les nou nouveaux modèles, euh, comme les Audi puis tout ça. Ils, sont, ils ont l'air cool puis tout ça, mais tout est électrique. Une chose, scrap. Tu as le problème avec d'autres choses, ça te coûte si oh. cher. T'sais. Puis, il faut être à la place pour qu'ils chargent. Le McKenzie est 316 de l'heure. Ça, ça devient juste un luxe que je ne peux pas me payer. En fait, ceux qui peuvent se le payer, nice. Là. ouais mais... si tu peux... Si tu, moi, j'ai mon Ford... Euh, euh, Fusion. Ouais. Je, mon premier auto c'était une Ford uh, Focus. J'avais pendant des années. Puis après j'ai upgradé Parfait, à une Fusion. Puis ça je peux aller au Canadian Tire si j'ai besoin assurance les brakes, tout ça. n'ai pas besoin d'aller quelque part spécial. J'étais je, je allé faire faire mon changement d'huile dans un garage parce que j'ai pas j'ai pas le temps de le faire. Puis là le gars il m'a marqué plein d'affaires qui fait comme ça c'est là ça c'est là ça c'est là. Il peut le fixer là bas. Il peut le fixer là bas mais je peux le fixer moi même. Est-ce que toi, t'es bon avec les autos? Oui, ça va, oui. Ça, c'est très, très bon. C'est juste que j'ai pas le temps de le faire, en fait. Lui, il a ces techniques-là. Moi, moi, rien sur les autos, je sais pas très comment. Très basique, très basique. Par Man, contre, si genre, je peux changer je un tire. Je pense tailleur. que si j'essaye, je peux apprendre, mais j je, jamais peux tailleur, je peux changer un tire, je peux changer l'huile. C'est pas mal tout que je peux faire dans un char. Le reste, je me ferais pas confiance. Je suis trop destructif. Moi, Il est très destructif. J'ai fait des boy joints, j'ai fait des tabs, j'ai fait le starter, j'ai fait euh, coil, cool. j'ai changé l'huile, j'ai changé des bougies, j'ai fait les pneus, les freins. Tu sais, ça, je peux le faire, mais. Ok, ça, c'est badass. Ce que j'ai en ce moment, c'est qu'il faut que je me glisse en dessous de l'auto si je n'ai pas le lift pour le mener. Puis c'est ça qui me dérange. C'est pas changer la pièce, c'est si j'aimerais ça avoir le lift, monter mon char, puis juste être en dessous, puis changer ça quand tu tu juste à l'enlever puis tu remets l'autre pièce s'il y a quelque chose de Je pense que preach and lift, non? Son garage? Y a Il un livre dans son ouais. garage? Peut-être, ouais. That's no. amazing. Peut-être, ouais, parce qu'il y a plein, plein de gadgets, Preach. Oh shit, s'il y a un livre dans son garage, je vais aller réparer mon Parle son lui, garage. Parle avec lui, demande-lui peut-être. S'il y a quelqu'un que je connais qui en a un, ça doit être lui. C'est ça, C'est un grand gars. Je sais qu'il y a un livre un a, a un lift pour monter ses motos au deuxième étage. Tout comme, <laughs> okay, bon, parce qu'ils peuvent pas tout traîner au sol. <rire> <Donc>. <rire> Mais si, 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 si j'ai des millions, je m'installe un lift dans mon garage, puis mm. je, je fais des experiments. Ouais, I si mean, moi system. je deviens millionnaire, j'installe un lift, puis dès que j'ai besoin, j'appelle un vrai adulte puis je dis j'ai une lift. <rire> <rire> oh <man. rire> oh, in house mechanic ça c'est cher là. Si j'avais un garage double, je me ferais un lift dans un, je m'achèterais un vieil Porsche là, une vieille merde. Oh. Puis après ça je la lift, je la monte puis à temps perdu. T'as-tu une auto euh, de tes rêves Ouais, genre de vieille Porsche des années 70 là. Est-ce ouais. que t'as euh... vu euh, le gars qui a mis une, 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 un moteur d'une Honda Civic VTEC ou quelque chose puis il l'a boosté à 400 chevaux et il l'a mis dans une Porsche. Ça a l'air de quoi? Euh, Porsche Civic? Man! Il y a des gens qui font des affaires, là. Tout, mais, mais apparemment, c'est plus fiable. Il a apparemment changé. Euh, il, a, il a même changé. Ouais, je pense qu'il a pris une 76 Porsche 914. Mm. Mm. Attends, c'était laquelle, là? C'est charmant, ça. Puis, tu sais, je sais que je triperais genre pas 12 heures, j'aimerais ça jouer dessus puis après je serais tanné. <laughs> tu sais, j'aimerais juste la refaire. Mais il a mis apparemment, fait qu'il a mis le moteur Honda puis le char, il a rendu une Porsche fiable en fait. Mais qu'est-ce qu'il y a dû changer? Il y avait genre 450 ouais, Est-ce que les, les moteurs des Porsche c'est pas bon Ils sont bons mais c'est juste Honda, Hon honnêtement Honda puis Toyota quand ça vient à fiabilité. Il n'y a, a pas une autre brand qui peut les battre. Hey, le, euh, BMW vient de commencer d'être un peu plus fiable dans, en 2016, mais c'est parce que les moteurs sont engineered par Toyota. Mais parce que, tu sais, un Civic, là, si un, là, si tu prends soin du moteur, tu fais bien ton entretien, tout, ça, man, tu vas le faire 300 000 kilos. Là. Même C'est juste pas être marde, tu sais. Tu sais, les gars sur YouTube qui font des expériments qui genre ils détruisent les chars. J'ai vu une vidéo, ça fait longtemps de ça, je ne sais pas si je peux la retrouver. Les gars, ce qu'ils ont fait, ils ont vidé le moteur du Honda Civic d'huile. Ils l'ont vidé complètement. Le ça, ils l'ont commencé, puis ils l'ont rev à genre 8000 RPM. Puis apparemment, ça a duré 45 minutes ou quelque chose. Sans, <laughs> sans, sans huile. Sans huile. Ça a pris 45 minutes à tuer le moteur. Wow. Écoute, euh, ben, moi, si, si j'ai le choix... Moi, je vais essayer d'acheter une Toyota ou quelque chose de ouais, ouais. de bonne qualité. Là. Ou Lexus, euh, si tu veux. Euh, là. Lui, il me parle de Lexus, mais il me dit il, il, tu ne peux pas négocier avec Lexus. Il me dit que c'est comme les haute qualité de Honda. Alors, ou de, de Toyota. Toyota. Alors, ah, euh, pour vrai, Lexus, c'est la grosse qualité Ça de... s'appelle le Toyota Tax. Fait que parce que c'est les chars les plus fiables. Puis les Toyota de récentes, là, depuis 2018, sont quand même nice, man. T'sais? Fait que le monde, parce que c'est fiable, ils savent que genre ils peuvent avoir un Prix plus élevé pour leur voiture. Ils négocient pour votre voiture. Oui, mon Civic, si je le revends là, je peux le revendre quasiment au même prix que je l'ai acheté. Ah ouais. Ça n'a pas mis beaucoup de kilos. Je suis à 132. 2012, c'est quoi? C'est une LX? DX, tirer de la de base, les quatre portes. Tu pourras la vendre à 8-9. C'est ça. C'est facile. En plus, je l'ai toffé un bout. Elle est clean, il n'y a aucune rouille. J'ai fait les traitements de rouille. Elle est neuve. Si tu ouvres le moteur, tu fais. T'as un char neuf là, t'sais. Moi, mon char de rêve, c'est le euh, AMG. Qu'est-ce que c'est? Il va te montrer ça. Ah, oh, c'est un char. Euh... Mercedes AMG? Ah oh, c'est fucking. Euh, moi, moi euh, je le vois puis c'est comme une Batmobile. Oh shit. C'est fucking. C'est comme nice. ton rêve d'enfant, là? Non, c est, c est, ça fait quelques années que j'avais trouvé. Je, je savais même pas c'était quoi. Ouais, c'était une GT avec quatre euh, portes. Puis... Euh, c'est ça? Oh, euh, ouais, c'est une version de ça. ouais. ouais est fucking... je comprends. C'est fucking nice, hein? Je, compre je comprends la vibe. Ouais, mais c'est quoi le problème avec ça? Euh, le prix. C'est combien? Poseidon? Euh, attends, yeah, yeah. Tu, veux, tu veux capoter? Ben... C'est l'argent, là. T'sais, on en fait, les gars, là, on travaille en rien. Ils ont fait une version de cette voiture qu'ils appellent le Brabus Rocket 900. OK. Qui, je pense, qu'ils ont dû euh, arrêter la puissance à un certain niveau parce que ça, ça briserait la transmission. Option. Puis je pense que ça, ça fait genre deux secondes. Euh, mais, mais le prix pour ça, peut-être maintenant, c'est à quoi? Euh... Ça? Ah, si tu veux « use », ça va comme genre 200 000. Ça, le, les prix utiliser. ont euh, euh, <laughs> augmenté sur ça parce que c'est des « one-off », c'est des voitures qui en font pas beaucoup. Ouais. Quand ils font des voitures de même, le main purpose pour ces voitures-là, c'est de prendre la technologie qu'ils mettent sur ça, c'est de pousser les, les voitures au maximum possible puis mm. de prendre ces technologies et les mettre dans des voitures qui sont plus abordables pour le public, comme dans les C-Class, des si, okay. choses de même. Ouais, si quelqu'un, euh, si un Allemand chez Mercedes, il écoute le French Cas maintenant, je veux qu'il me donne une de ces autos-là pour faire la pub. Je peux tester... Les Mercedes AMG pour vous? 234 900. C'est trop, bro. Tu ne peux pas te permettre Check. de. Nouvelle, nouvelle 171. Bro, yeah. 500 000. Juste à côté de ça. 500. 500. Ah, oh, mais ça, attends, là. Ça, oui. ça, ça, ça c'est une voiture très, très, très spéciale. Non, mais oui, tu ça. peux acheter une maison, bro. Ouais, je sais. Mais ça, ça, ça c'est. C'est-tu le. Mais qui achète ça? C'est-tu le Blackwing? Non, 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 c'est pas Blackwing. Oh, mais check tu sais hein. celle à droite, le vert à droite, là. Ah, de... oh, oh, Black Series. Ouais, ça, ça c'est un, une cou... voiture de collection. Ah, mais, ouais, mais ouais, la verte ça. à droite, là. Dessin un peu, là, la couleur vert à droite, là. C'est frais, là. Ça? Ouais, c'est beau aussi. Ça, c'est une Porsche, hein? Ben, ça. Oui, c'est nice. Il y a des autos, man. Que, je suis pas un gars de t'sais. char en plus dans la vie. Moi, le je, je, tant qu'elle roule, c'est le fun. Là. Ouais. mais Moi aussi, c'est juste, il n'y a pas beaucoup d'autos que moi je vois puis je comme, oh, je veux ça. Mais le AMG, ça fait des années où je trouve très, très beau. Mais je sais que c'est. Moi, j'espère un euh, jour être, être assez, assez riche pour, peu importe le char que j'ai, de jamais avoir à me soucier du parcomètre Puis ah, qu'au ouais. je fais, baf moi, le payer. Ouais ouais tu ouais cette ouais, tu sais, ouais. c'est que tu fais juste faire ah ouais, OK, 90 pièces mais ouais, on va payer ton esti de 90 pièces. Ça c'est cool d'être comme ça. Ouais, tu sais, peu importe le char que je mets là, il y a des chars des fois que je vois avec euh, tu sais des chars de luxe là mm -hmm. avec une contravention dans le windshield, je fais, ils s'en foutent. Ça dérange pas. Ouais, je vois, je, dérange je vois ça puis je pense pas. de la même manière. Fuck, you. le gars est genre comme une euh, euh, c'est quoi donc j'ai vu l'autre jour, c'est euh, mon dieu pour euh, mon Dieu, l'auto-électrique d'Elon Musk. Oh, le Tesla. Une super belle Tesla neuve avec un étiquette d'infinite. Ça non, va, enfin. le, il s'en calisse. Yes. Euh, J'espère. Je peux-tu changer le, le logo B en avant pour un P? Ben oui, c'est sûr. Okay. Ah, c'est ouais. sûr, mais ça va. Euh, ouais, probablement. Mais ça, tu ne voudras, voudras pas faire ça parce que ce char-là, ils en, en ont fait 10. Fait c'est la version de, de la voiture que tu aimes, ouais. ouais. Mais c'est le Brabus Rocket 900. Okay. Ils en ont fait 10. 900 horsepower. 900 horsepower. Euh, de, euh, 0 à 100 en 2,8 secondes. Il n'y a même pas des Lamborghini qui, de, du temps qui, qui peuvent faire ça. Maximum speed de 330 km. C'est là. Ça, Mais toi, tu n'es pas un good Qu -ce que es, C'est quoi ta passion? J'aime parler de ça. C'est quoi ta grande passion, toi? Autre pas, que le travail, autre euh, que l'humour. C'est tough, ça, hein, parce que ça, ah. vient, que ça prend beaucoup de notre vie. Dernièrement, je m'étais mis à. Je ne sais pas pourquoi à commencer à collecter. moi j'ai des, des passions qui vont puis qui partent quand j'ai rencontré Chris Ramsey ouais. je me suis mis à checker ses, ses vidéos de casse tête je me suis mis à faire ça oh ah mon dieu j'ai aimé ça j'aimais ça là résoudre les énigmes tout ça man, je, ça me passionnait as-tu rencontré Chris ouais on a okay. à, ouais c'est vrai on était ensemble quoi ouais, ouais, ouais. puis là on a, a déjà fait ça parce que j'ai vu ses vidéos j'ai si j'ai goût de faire ça aussi fait que là j'en ai fait puis là, dernièrement, je, je tripe sur les cartes de hockey, pis je sais pas pourquoi. Ben, c'est pas juste toi, j'ai vu Nive. Nive. Qui d'autre au bordel me parlait de Martin ça? Martin Vachon. Ouais, avec... Alex Bizayon. Oh, Max Martin me parlait de ça hier. Max Martin aussi. Ouais. Il, euh, lui, il est allé. Euh, c'est parce que c'est tout des. Euh, il y a un magasin de cartes de hockey qui Saint-Jean-sur-Richelieu qui s'appelle La Carte Cachée. Ouais. C'est des fans d'humour. Puis eux autres, leur trip, c'est d'inviter des humoristes dans leur magasin. Puis nous autres, on a jette des cartes de hockey, puis des fois, ils nous donnent des paquets, puis on ouvre des paquets. Puis on fait de la promo sur leurs médias sociaux en même temps. Fait que ils me donnent un paquet de trilogies, j'ouvre le paquet, Puis là on présente, on présente les cartes, ils font un post avec ça, fait que eux autres a fait de la publicité. Ils sont où? Ils sont à saint jean sur richelieu euh, C'est vraiment le fun. C'est vraiment une belle. C'est deux doules en fait qui avaient des jobs avant. Qui ont décidé de s'ouvrir une shop de cartes. Ça marche. Ça marche. C'est vraiment nice. Ils sont vraiment cool aussi. Moi j'ai encore mes vieilles cartes de hockey. De quelle année? Dans les 90 puis début 2000. Ils vont rien. Hein? Ça vaut rien. Ouais. 90-2000, ça vaut rien. 70, 80, ça vaut quelque chose. Ah, je t'ai pas né encore. Ouais, c'est ça, les deux. Moi, si j'ai juste des cartes de hockey des années 90, je leur ai montré ça, ils ont fait bof, Ça vaut 20 Sors! Ça, ça vaut 20 des colis. Euh... Mais, euh, mais fait que là, c'est ça, je suis là-dedans. Puis là, en fait, moi, je, je deviens tout le temps un peu. Euh, quand une, même si c'est une passion, je veux que ce soit quand même cohérent mes dépenses. Là. Je veux pas ouais. dépenser comme un épais. Là. Puis là, des fois, je trouve que c'est cher. Ok, c'est très cher. C'est ça, hein? C'est très cher, puis on, on parlait. Euh, J'ai plein d'invités, puis on parle de leur passion. Puis des fois, c'est cartes de Magic, the Gathering, Donjons mm. de Dragon, tout ça. Mais tout quand on discute, quand tu rentres trop dans ça, tu gaspilles trop d'argent. Parce qu'il y a comme une portion de gambling. Parce que tu peux acheter aussi des cartes que quelqu'un d'autre a pognées, puis tu y achètes à lui pour un certain montant, puis il fait comme hey, je vends cette Coca-Cola, puis tu la jette. Puis j'ai fait ça moi sur eBay. j'ai acheté une juste pour voir c'était quoi le trip, j'ai acheté Owen Power qui est un défenseur des Sables de Buffalo que j'aime beaucoup. Fait que je l'ai acheté, j'ai reçu sa carte crue par la poche, ça le fun. Mais quand tu achètes des boîtes de cartes, c'est que tu gambles. tu payes un prix pour la boîte, puis peut-être qu'on va dire que ça t'a coûté 200 pièces ta boîte. Ça se peut que tu fasses 300 pièces. Mais la majorité du temps, tu payé 200 pièces puis tu 70 pièces de cartes dedans. Fait que tu es 130 pièces under, fait que c'est ouais. le côté gambling que je trouve que les, euh, les gens qui ont, sont barrés du casino doivent avoir trouvé un certain trip dans la carte de hockey de <laughs> juste ouvrir le petit paquet de cartes. Fait que, oh shit, jai du pogné le rouge, tu sais. Mais après, tu sais, c'est quoi la difficulté pour moi? Je pense à ça, mais ça doit pas être une peine inéaste d'essayer de les vendre après? Euh, ben, je pense que c'est des gens aussi qui font pas beaucoup l'amour. Oh, ils ont le temps de faire ça. Mais il y a des dos qui sont sur eBay qui ont plein de cartes à vendre. Puis, oui, c'est pas une IAS peut-être, mais en même temps, je pense que certaines personnes, c'est devenu leur, leur, leur revenu. Tu sais, il y en a qui font des breaks, là, ça, c'est. Euh, ils achètent des boîtes de cartes. Puis là, ils demandent, on va dire, on prend premier nation de hockey, il y a 32 équipes. Ouais. Chacun paye un montant pour posséder une équipe. Fait que quand les cartes de cette équipe-là sortent, ils t'appartiennent. Au au lieu de payer, par exemple, une boîte de 200$, le spot te coûte 30$. Fait que t'as une chance de pogner des, des cartes, mais t'es pas sûr, tu sais. Fait qu'on va dire que moi, je prends les Canadiens de Montréal. Tout ce qui sort au Canadiens de Montréal m'appartient. OK, ça, c'est intéressant. Ça, moi, je sais plus pour les cartes Magic the Gathering. Yep. Je sais qu'il euh, y a des boîtes qui coûtent comme 600 pièces, 500 ah, oui. pièces. Puis, mais les cartes dedans, t'as comme une carte qui vaut 1000 ou plus. C'est comme... fou. Ça, ça arrive, mais en même temps, la boîte de 600 pièces, il peut avoir aucune carte qui vaut rien. Là. ouais c'est random. C'est ça, quand c'est aléatoire... ouais c'est du gambling. C'est 100 du gambling. Jamais, euh, je ne l'ai jamais vu d'une autre manière. C'est vraiment ça. C'est juste fun ça. parce que tu fais du gamble puis tu collectionnes. Ouais. C'est de l'art. Mais après, tu vas faire quoi avec tout? C'est ça qui arrive. C'est qu'après ça, si tu décides de ne pas les vendre, puis moi, je ne suis pas un gars qui va gosser sur eBay toute ma vie. C'est ça, fait mon que, problème. À part les posséder je ne sais pas quoi faire d'autre. Tu sais. Puis il y, a, euh, il y a aussi des cartes que hockey qui ont des boîtes. Par exemple, Connor McDavid, tu connais? Oui. Bon, mais ben, lui, les boîtes pas ouvertes, de son année recrue, valent 6, 7, 800, 1000 parce, parce que, que peut-être tu peux trouver sa carte. Si ouais. tu pognes sa carte recrue, sa carte recrue Aziz, euh, pas spéciale, pas numéroté, rien, parce que des fois, si on numéroté, il y en a 150 dans le monde. Ça, c'est cool. Mais ça, c'est cool, ils font ça. Ça, c'est cool maintenant, que tu peux avoir voilà. une carte, que c'est vraiment une de 10 ou une de 1. Ouais. Mais si tu pognes une de 10 de Conor McDavid recrue cette année-là, ça, ça vaut déjà 60 000 t'sais. Mais si tu pognes ça de base, ça doit valoir 1 500, 2000. Fait que tu, sais, tu rentres dans l'argent de ta boîte, mais. Il faut qu'elle soit dans la boîte, cette carte-là. T'as-tu là. vu Post Malone euh, Qui a acheté une carte de Pokémon Non, de Magic the Gathering. Ah, c'est lui qui a acheté ça. Okay, lui, oui, il adore ça. Il, a peine, il gaspille beaucoup sur ça. Euh, mais il y avait une carte qui est sortie. Ils il, il font des collaborations maintenant au Wizards of the Coast pour Magic the Gathering. Ils il sortent des, des boîtes, des séries, reliées à d'autres concepts artistiques comme euh, d'autres films, d'autres mm. euh, comme les Transformers. Ils ont sorti oh, des ouais. cartes. Ouais, moi, j'ai euh, dans euh, Graded 10 sur 10. J'ai une Megatron euh, de ça. Ouais. C'est qui Megatron Megatron, c'est le gars mauvais de Transformers. Ok, cool. C'est le méchant. Alors. Euh, il était gradé Great Gradé 10, 10 enfin, c'est ouais. hot. C'est hot. C'est juste pour moi. Pour, je non, avoir. mais ça doit quand même avoir un certain nombre, une valeur. J'espère, mais je ne pense pas. Mais peut-être, je suis sûr que oui, mais je ne pense oui. pas que c'est beaucoup. Mais lui, ils ont, ils ont fait une collaboration avec euh, le Seigneur des Anneaux. Ok. Puis ils ont sorti une carte spéciale. L'anneau, le ring, One Ring. Dans le monde, il existe juste une carte. Oh my God. Puis je pense que un gars de Buffalo, de Toronto, qui a eu la carte. Puis lui a vendu ça pour à peu près 1 mi euh, 2, 2 millions de dollars à Post Malone. Il y a juste une qui Great. existe. Great. Alors il y a le one of one. Yep. Puis c'est dans ses mains. Une année. Ils l'ont gradé, je pense. Que dans, ouais, ouais c'est sûr, il faut que tu la grader. Ouais. Man. What? Waouh. Mais on s'en fout des statistiques. Juste montre la, la photo de la vraie carte avec Post Malone. Ah oh, ouais, il est là. Ouais, ah oh là. C'est fou, hein? Ah ouais, puis gradé, puis tout ça, il est là. What? Très cool. Ouais, ouais imagine le gars. Mais non, c'est pas cette carte-là. Ça, c'est l'autre, tu vois. Il... Ça a l'air de quoi? OK, ça a l'air de ça. Ouais, ouais. ouais. Mais c'est juste à côté. On the right, right next time. Ah, OK, parfait. Ah, OK. Ah, oh, neuf et même pas 10. Non. Oh. Mais en même temps, c'est la seule. Ouais. Que ce soit 9, 8 ou 10. C'est la seule. C'est la seule. Que... J'ai fait... Euh... Moi, j'ai essayé d'acheter la carte en bas. Okay. Euh, go down, left, left, right. Non, yeah, that one. Avec l'art spécial. Ouais. J'étais content que je vais payer 200 pièces pour ça. C'était gradé. Je pense que c'était une 10 sur 10. Puis j'essayais de, de faire des bids. Puis moi, j'avais arrêté à 800. 800, 800 j'ai arrêté puis après j'ai vu que le gars essayait de le vendre pour 1000 puis je dis même à 800 j'étais comme pourquoi je suis arrivé tu sais si c'est automatique oui si juste automatique puis tu vois puis après je suis comme qu'est-ce que je fais bro j'étais sur eBay puis je parais sur une carte puis là j'étais comme quelqu'un m'embête à chaque fois puis j'ai puis je suis comme oh, qu'est-ce que je fais ouais, 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 c'est ouais, juste ouais, rendu un réflexe c'est pas un jeu ouais c'est ça qu'est-ce que je qu que fais man? parce que si tu vas sur eBay puis tu marques des prix comme ça des fois aussi il y, y a des deals qui sont intéressants sur ouais. eBay j'ai vu des deals qui sont quand même intéressants mais euh, moi, je trouvais une manteau que je voulais. je sais pas mmh. si tu te souviens pendant qu'on était en, en tournée avec Mike, euh, il y avait un moment pendant la tournée où je on était temps, chez Mike à Deschallon. Ouais. Puis ils ont annoncé une collaboration avec Drake OVO puis The Raptors puis ils sortaient des vêtements. Pour je je sais pas si tu peux le look for it uh, Jurassic Park uh, Toronto Raptors uh, leather jacket. Wow. Alors, bro, moi, j'étais prêt à l'acheter que ça sorte. Ouais. Ça va en sale, puis je vois que c'était comme. Ouais, c'était ça. 5, 5 000 J'étais comme. OK. Ça, c'est absurde. C'est absurde. Mais fucking absurde. Alors, je dis non, non, je peux pas permettre. Puis, je suis quelqu'un qui vend une version Excel de ça, que ça va me valer bien, ça va être un peu gros, ça va être cool. Ouais. Sur eBay, puis je vois le prix diminuer. Puis maintenant, c'est à 2 500 sur eBay. J'en ai, même... hein? ai trouvé un à 2 J'en ai trouvé un à 2 000. Non, de, euh, 2000 Canadiens, mais c'est quel Small Je peux ah, pas je peux rentrer dans Small. Le Excel, tu peux le trouver sur eBay maintenant. C'était euh, à 2500 Canadiens. Mm. C'est encore trop cher, je pense, pour acheter une fucking manteau. Oui. Mais je le regarde, <laughs> puis c'est drôle parce que c'est nouveau, puis je suis comme, ah, les prix ont, ont baissé. Mais c'est juste pour One Size, je ne pas trouver quelqu'un. C'est quoi ton prix que tu l'achèterais On dit que quelqu'un, là, t'écris, je suis comme, hey, cool, je te l'offre à ton prix. Pour ça Ouais. Il dit là, ça, toi, ton, ton maximum que tu paierais pour ça Peut-être 800 à 1000 pièces okay. pour ça. Fait que 2005, on est loin. Ouais, on est loin de qu est ce est que, loin. que je comprends. Ouais, parce que oui, ça vaut ça, tu sais, ils vendent ça, mais c'est juste que euh, c'est pas quelque chose que tu peux porter à chaque jour. Bah ben oui. C'est pas juste, mais juste pour l'avoir une special item que tu que peux plus, finirai, parce que tu peux plus l'acheter. C'est pas dans des magasins ou n'importe ouais, quoi. Ça. Il y avait une montant. qu'il avait. C'est juste que je peux pas me permettre de gaspiller 2500 euh, 1500, c'est quoi la grandeur what size oh c'est quoi la grandeur de ça ouais sont? on peut négocier on peut <laughs> négocier un peu mais 1190 c'est va, là. euh tchut, tchut. Où le, la grandeur je sais pas des détails en ah, bas descend 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 tu là. Ouais, là large large mmh, peut-être ça, ça je, va je dois ça. le porter pour voir si ça me... ouais vaut. surtout à ce prix-là il faudrait tu le sais avant de, de ouais. l'acheter tu sais Small. J'ai mis pour la première fois une alerte dans mon, euh, dans mon calendrier pour acheter une paire de shoes qui va sortir. Quelle? Les mai. Trump, les, les, les or, ils sont déjà sold out partout. Les Trump? T'as pas vu les Trump? Non! Arrête! Oh my God! Les Donald Trump? Bro, Donald Trump a sorti des souliers custom, sold out immédiatement. Il a même signé certaines paires. Puis et, et, tu peux le trouver maintenant pas comme 6 000, 7 000. Je peux pre-order pour 400. Honnêtement, je veux une paire. Dude, pour les sneakerhead, pour les sneakerhead apparemment, même il y a des gens qui... Il les politiciens, il ouais. tout ça. Mais pour les sneakerheads, ils essayent d'acheter des souliers parce que c'est des fucking... C'est rare. C'est ça. En or, go up, go up, go up. Ça. J'en ai vu sur euh, un gars qui, qui achète des montres. Lui, c'est un gars qui vend des montres. Ouais. Alors, moi, je regarde ses vidéos, c'est cool. Puis, il est allé l'acheter, puis il y avait du monde qui criait dessus. Pourquoi tu supportes Trump? Dis, yo Moi, j'ai acheté d'une autre gars, ça m'a coûté 6000 US. What? Et moi, je suis une sneakerhead, j'ai tous les sneakers. Puis, en plus, j'adore les États-Unis. Alors, tu sais, de il y étoiles, wow. tout ça. C'est sûr que je l'achète, même si j'aime pas les politiciens, je, je, c'est sûr. Je, pour 400 pièces, peut-être. Mais pour 6000 non, jamais. Non, jamais. Tu là, à droite. Mais là. ça, c'est oh. des fakes, bro. Ouais. Comme le MAGA, ça, c'est fake. ouais ça paraît, en plus, qu'ils sont fake ouais. Ouais. Fuck, déjà, les fakes sont sortis. Moi, c'est les... Euh, début avril, ils ressortent la collection Forrest Gump. Arrête! Les Nike Forrest Gump, le 1er mai. What? Fait que... Euh, ouais, Nike Forrest Gump, euh, 2024, c'est 1er mai, je pense, est dans mon calendrier. Returning to... Oh. Ah, c'est qu'on a rien à foutre de la société. Yep. Hein? Oh, that's nice, though, bro. What are you yeah. talking about? non non no, they're very nice. Moi, je ne critique pas ça, mais c'est juste à quel point que, genre, on est rendu à un point où on est comme, genre, on s'emmerde là. Mais Pourquoi? Tu trouves pas? Mais il y a toujours des... Quoi? Souliers on qui pourquoi on s'emmerde. s'emmerde de quoi? Pourquoi on s'emmerde? Alors tu penses que si on pas sorti des souliers de forest Gump, là, tout va bien? Qu de quoi tu parles? Je comprends pas. Parce que moi, je, je me mets une alerte dans mon calendrier pour acheter les Cortez. Hum. <laughs> Je parle dans le sens, genre, juste des sneakers réguliers, cool, sont rendus plates. Il faut, il faut avoir des... Mais gens... non, ils sont pas rendus. Tout le monde, euh, plein de personnes achètent. C'est si toi, tu veux, bro. Ça, c'est comme yeah. si maintenant, moi, je te disais, oh, bro, personne ne veut des chars normales. Tout le monde veut des Lamborghini. Oui, si tu peux te permettre, tu vas acheter une Lamborghini, mais, mais, pour... mais ça ne change rien pour les chars normales. Au vrai, ils sont pas mal cool. Ils sont très cool. Puis en fait, moi, c'est juste... juste... Je trouve ça nice. Je mets souvent des choses blanches. J'aime les couleurs. Puis je trouve ouais. ça... Euh... Moi, tu sais que ce je que je trouve... Moi, moi j'aime les Adidas beaucoup maintenant. Ouais, les petits, le petit lock là. Ici. Ouais, moi aussi j'aime ça. ça puis je, je cherche de Air Max. Euh, mais Adidas, moi j'aimais ai, euh... avant, puis là c'est fini. Ouais. Là j'ai trouvé ça ici, j'aime beaucoup. C'est des Kairu. Ils ont plein de, de modèles de couleurs, c'est vraiment le fun. Euh, et... Les Adidas sont trop minces. Euh... <laughs> moi c'est parce que j'adore Adidas, j'ai trouvé mon size 11 et demi, puis ça me va bien. Puis ah ouais. je sais qu'ils vont toujours aller bien. Tu fais du sport ou pas avec Avec ça non, mais j'ai des souliers que je fais du sport avec. Puis des Adidas aussi euh, oui ok cool oui oui oh parce ouais, que t t as t as à tu prends un fit aussi pour le sport là, tes ouais. choses moi c'est pour courir les Nike euh, c'est ce qui me va le mieux pour ouais, je moi c'est ça dès que j'ai trouvé mon, ouais. mon propre size parce qu'avant c'était 12 mais je trouvais qu'avec les high top adidas 11 et demi ça me va très bien mm. c'est pas tight c'est pas loose c'est parfait alors maintenant je porte ça puis qu'est-ce que je fais moi c'est je vais sur le site d'Adidas puis j'attends parce que même leur euh, le chose les comme oh c'est 150 pièces whatever tu attends un peu tu reçois les courriels pour ils tombent à 40 50 puis c'est là oh où je ouais. les achète ouais je n'aurais pas payé fucking full price pour ça parce que je sais que ça va tomber comme mes, même comme sur Nike si tu restes sur le newsletter tu vas voir ils vont avoir une X sur une paire de euh, par exemple regarde de 160 à 120 ou à 100, ça tombe beaucoup. Mais Regarde ça, ça 240, c'est à 168 mais ou à 149. C'est aussi pas des modèles qui sont hyper populaires parce que je pense que les Cortez, si ouais. tu les achètes pas, ils vont être soldats de vite. Mais ça, si c'est ce quelque que... chose qui se à vite, là, ouais. c'est pour ça que tu payes une premium. Mais moi, c'est des souliers réguliers, des okay. couleurs des fois différentes. Alors moi, j'attends. Je comprends mais oui, tu fais pas ah. bien. Là. Mais souvent, moi, je suis un peu. Euh, je veux pas sentir mal. Pour les shows, je suis comme un peu. Euh... Là, ceux que j'ai acheté, j'ai acheté des nouveaux chaussures de course, là. J'ai fait non son frais c'est jours Je, je courir avec de quoi de frais. Si c'est quelque chose de cool, tu, dois te... tu travailles bro, tu peux te permettre. De... Je travaille pas tant que ça, je, je suis Maurice, là. Je travaille bro. Je travaille pas fort. Je j'ai ouais, fait une show un une casino question. hier. Casino de Montréal? Non non, uh, Playground Poker. Ah oui, tu m'avais parlé que tu allais faire ça. Oui. Ouais ouais ouais. ouais. And then ouais, and then talk to me. C'était c'est 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 pas facile, c'était pas facile. Non, arrête, arrête. 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 « What happened to the fucking casino, bro? Si » Tu comprends pas, mais si tu es humoriste, lui, il comprend. Les gens Pau étaient comme assis? Pau pauvre Péridot. Était-tu au table bro. ou il était devant toi? Oh non. Pauvre Martin. Martin. T'allais ouvrir le show après, après moi. Périd? Euh, ouais, puis Périd était comme... <laughs> C'était un cauchemar. Périd's <laughs> a warrior. Oh ouais, tout le monde This était warrior. warrior. Yep. JC a bien fait pour qu'est-ce qu'il pouvait avec la situation. Comme JC Surrett, si le même set était dans un théâtre, il mmh. aurait... Ouais, mais JC, c'est il, il un habitude de la place aussi. Ouais, ouais. Il l'a appelé de JC en rentrant, puis en fait veux Tu veux-tu jouer Il fait Non, je travaille pour travailler ah, après, soir. après le travail, on a joué du poker. Il cool. a gagné 400 pièces. They fuck you. Ouais, GC, moi, j'ai perdu. Moi, j'avais pratiquement à 500. Ouais. Puis après, comme un imbécile, bro, j'étais allé all-in. Puis c'était mon dernier. Je dis Ok, c'est sûr que je gagne. J'avais une straight. Puis le gars avait une flush. Puis j'étais comme Ben, bro, qu'est-ce qui se passe ici j'avais que que pas, que je mais pas, de pas de le choix. C'est une hand que je suis comme... C'est heads up contre un autre gars. Mais j'avais bien fait. Mais après, je du... suis sorti avec, je pense, plus de 40 pièces. Mais lui, il est sorti avec 400. J.C. c'est bon. mais Il, ouais, bon. il, il a, beau, a eu ouais. beaucoup de plaisir. Mais okay, que sinon, le show, les gens étaient assis comme moi. cétait une salle de spectacle? Étais... Non, c'est ça l'affaire. Il... Les gens qui étaient là ils étaient excités d'être là. Mais c'est juste que... Parce que c'est ouvert. Puis t'entends les machines... Il y a trop de bruit, c'est trop loin. C'est pas pour le, le stand-up. C'est pas mmh. bon pour le stand-up. Alors, euh, c'est pour les humoristes, c'était affreux. Bro. Tu peux pas, ah, quand ils rient, tu les écoutes pas, tu les entends pas vraiment. Mais non. eux, il y, y avait des gens qui ont eu beaucoup de plaisir, euh, plaisir. Ils voyaient ça et étaient heureux. Oui. Mais pour un show de mots, pour les humoristes, on reç, tu reçois rien. Ce qui est weird, c'est que des fois, il y a des gens qui organisent des shows. Puis vu qu'il y a des humoristes qui viennent, ils changent pas les, les, les structures des shows. Puis comment c'est présenté parce que. Ah, Chris, les humoristes viennent. Fait que ouais. Ça doit être correct. Je me rappelle, année, on faisait un show à l'extérieur au Casino de Montréal. Mais c'était super weird. C'était pas le fun. Ouais. Mais le monde dit oui pour le booking parce qu'ils veulent gagner leur vie. Ils font que, ah, Chris, ça, ça a l'air intéressant. Je vais y aller. Mais en vérité, on n'est pas là pour le show. Là. Ouais. On est vraiment là pour le cacher en ce moment. Fait que si ce pas payant comme ça, on serait tous à la maison. Mais moi, je parlais avec eux hier. Je disais, écoute, c'est une bonne belle idée. T'sais. On devrait penser ça peut-être parce qu'il y a plein d'autres euh, comme salles. Mm. C'est un grand casino quand même, euh, de le faire quelque part fermé. Parce que là, ça va être un bon show. Tu peux même vendre des billets, tu sais. Parce que là, c'est gratuit. Ouais. Euh, tu peux même vendre des billets c'est un bon chose. C'est très, très difficile. T'sais. Tu comme euh, tu parles, essaies. tu Tu sais, comme moi, par exemple, je ne peux pas avoir mes jokes parce que moi, j'ai beaucoup de silence. C'est impossible. Si j'arrête, oui, C'est <laughs> fou. Oui, puis. Ouais, puis même s'ils ne payent pas les gens, c'est juste que tu vas dans une salle fermée, ça change la game complètement. Là. Ouais. Même si tu vas quelque chose de gratuit à ton monde. Là. Puis je pense que eux, si ça, ils veulent le garder gratuit. Pour eux, c'est juste fun pour le ouais. casino. Si c'est gratuit, ben, investis au moins sur le stage, le décor. Ça, ils ont. Ils ont investi. Ouais. C'est très beau, écran, cool. tout ça. Ça, c'est cool. Ils ont malade. mis de l'argent dans ça. Malade. Ouais, ouais, ça, c'est malade. Félicitations pour le playground. Il paraît qu'ils ont des bons euh, des bons steaks puis tout la nourriture est bonne là-bas, les, les poker tables sont... moi je suis allé jouer hier, c'est beaucoup beaucoup de fun. Ouais. Ouais, Ça ouais, a l'air cool fun. pour vrai. Ça a l'air comme Ça a l'air d'être ce que le plus proche d'un casino illégal peut avoir l'air. Ouais. Mais en étant légal, tu sais, on qu'ils sont comme juste hey, nous on peut faire ce qu'on veut ici là. Ouais, on va, on que... va le faire. C'est un incri... casino illégal, c'est que tu drops ce que tu veux sur la table. Je je, je... je suis jamais allé là. C'est fun. Mais j'imagine vraiment que j'arrive à une table de poker, je alias ma liasse de cash de mes poches, j'adrope ça à la table, je fais de des jetons. Puis. Tu peux le faire. Puis je peux faire des heads-up et avoir mon gun sur la table. C'est ça que je vois, tu sais. <laughs> <laughs> c'est comme ça que je le vois. Ben, J'espère que c'est ça. Est-ce que tu joues au poker, toi J'ai joué, oui. Ouais, J'ai joué, joué beaucoup avant, mais là, pris, je prends ça tranquille au couple d'années, mais j'aime ça. Parle avec JC. Peut-être qu'on va aller ensemble. Lui, il m'a dit hier, écoute, c'est fun, on joue, c'est cash-gain maintenant. Mais il dit yeah. moi, j'aime pas ça. Moi, je préfère les tournois. Ça qui fait parce bien. que le tournois, il me dit là, t'as pas besoin pour ça, je vais perdre. Mm. Tu, tu commences, puis tu, tu rentres ton entry fee. Puis après, tu vas pas gaspiller d'autres argent. Tu joues, puis tu essayes de terminer à un haut niveau pour que tu reçois de l'argent. Puis il m'a expliqué ça. Puis il dit c'est beaucoup plus de fun. Ouais, moi, j'ai jamais ça, joué dans un fun. tournoi. Tu dois pouvoir jouer beaucoup plus longtemps aussi. C'est ça le problème que ouais. j'ai. Parce qu'il m'a dit ça dure des heures. Je sais pas si j'ai une journée au complet. Non, personne n'a une journée complète pour faire ah. ça. Combien ça coûte les tournois d'entrée Il y a des différents prix, tu, de, il m'a dit alors tu, on peut trouver quelque chose de raisonnable puis on rentre. Maintenant on pourrait l'essayer juste voir pour euh, fun ça va être Ben oui, il pourrait. Une journée c'est quoi 100 piastres, peut-être 100 piastres, ouais, 200 je sais 200 on aurait essayé essayer une journée puis euh, moi je suis super arrogant quand je joue fait, Good. Toi tu es super arrogant pendant ta vie en général. Ouais, mais plus en poker. Quand. OK, good. Genre ouais ouais, faudrait quelqu'un bodyguard avec moi genre. T'as besoin de ça. Mais je joue dans la tête du monde. C'est pour ça. J'ai déjà gagné, puis ils savent pas. Fait que je suis juste... ah ouais, Qu'est-ce que tu fais, là? Avec tes yeux, là? Ouais. Fait que là, tu nous fais perdre notre temps. C'est ça ce que tu fais? Je... Ouais, j'en prends pétail, Oh, je t'ai pas demandé. Qu'est-ce que tu penses de Juste pour rire? Ah, mon Dieu. La situation. Une grande tragédie, en fait. Ouais. Plein de monde ont perdu leur job. C est... C est... Pour moi, c'est ça, la tragédie, plus que... Juste pour rire parce que c'est les personnes. Parce que je pense qu'on peut euh, quelqu'un peut acheter le nom puis reconstruire ça, mais je pense pas qu'ils vont re-engager tout le monde. Alors il y a plein de gens que leur vie qu ont, change dramatiquement. Ils vont devoir réengager du monde si quelqu'un rajette, là. Fait que tu sais, il y des emplois qui vont être Peut-être pas tout le monde. Peut-être pas tout le monde et peut-être des, des personnes différentes, mais je pense que c'est deux tragédies qui sont euh, pas comparables en fait. Parce que il y a la tragédie individuelle de chaque personne. Puis t'as aussi l'histoire de Juste pour rire. T'as aussi euh, un, une institution mondiale mm -hmm. qui est reconnue internationalement comme étant le leader de l'humour. Là. Là, là, ils se sont fait un peu de le pion par Netflix dans les dernières années. Pis, euh, mais c'est quelque chose qui est comme... Euh, c'est un grand fleuron québécois. C'est quelque chose d'énorme qui vient de tomber. Mm -hmm. euh, Puis a un nom qui résonnait partout puis je, je comprends les gens qui veulent acheter juste pour eux parce il y en a qui veulent l'acheter là il y, a, il y a des rumeurs comme ouais, quoi, il y a ouais. des gens qui, qui qui sont là il y a deux Moi, essayé non mais tu peux pas c'est ça qu'ils m'ont dit il peut pas, <laughs> pas <qu> ils <laughs> m'ont dit, <laughs> ils... dit on va jamais donner ça à un <laughs> grec. Brad. oh non c'est ça c'est pas ça mais euh, il y a deux trois personnes qui veulent l'acheter mais parce que ça coûterait plus cher rebrander Re une nouvelle marque du mot par exemple, québécoise, qui va avoir la même notoriété que juste pour rire, que d'acheter quasiment la dette, tu sais. c'est beaucoup, là. Mais tu fais quoi pour ça? Tu peux pas googler ça. C'est... Oh. Mais en fait moi je, je, en fait quand ils ont arrêté de faire des galons lui il, pense, il est comme un vieil homme il pense qu'il peut rentrer n'importe quoi dans Google <laughs> comme, <c> <laughs> combien d'argent est-ce que Pascal a dans son compte il pense que Google va dire oh bien, bien sûr on va te montrer je, comme il y a des questions Mais qu ça faut... fait pas mal d'essayer je peux même pas faire 1% de ce que ça vaut mais mais en fait ce que je trouvais moi quand les, les galons ont été arrêtés ce que je trouvais le plus fucked up c'est toutes mes amis qui avaient jamais fait de galages je pourrais puis que j'étais comme, oh shit, vous ne ferez jamais de gala. Moi, je n'ai jamais fait de gala. Y a... Puis c'est pas. Euh... C'est juste le côté un peu. Euh... C'est <laughs> juste. Hey, oh, dit, regarde man, ça. Pascal Cameron, male actor, birthplace not known. À... Oh, oh, on ne à... sait même pas c'est à... où tu es né. À Villevagné. Non, non, dis-le pas, il y a une mystère. Ah, mais je l'ai ouais. dit, Villevanier. Mais c'est qui... quoi ça? <laughs> Twitter, Facebook. <laughs> Salary fuck? approximate, not known. Mister, sister's name, man. brother's name. Man, c'est qui, qui a fait ça? Qui a mis mes liens de page? Tu montres, il y a, tout, si mordes, y a mes, là, mes pages Facebook, Instagram, tout est là. Moi, je veux dire, t'es né en Venezuela. Ben, t'es pas Venezuela. Where is the birthplace of Pascal Cameron? C'est Vilvanié, Marc Villevanier. Amen. Oui. Moi, je veux dire, t'es en, <laughs> oh, oui. <laughs> Car en Caracas. Ah <laughs> oh, mon Dieu, j'aime ça. J'allais chercher mon après ça mon. Euh, Sûrement, il faut que tu marques eh, hospi Comment qu ça? Attends. Hospital Central del Caracas. C'est quoi ça? <laughs> Waxicon. Profession acteur. Alors, go, go back. T'as googlé quoi? Euh, Pascal Cameron Networth. Ah, J'ai pris vrai. la première chose. Agence ah, Savinko. IMDB. Et Vinko est un, un gros propriétaire de Juste pour rire en plus. Ouais. C'est quand même fou ça. Pedro Pascal's net worth in 2023. Pourquoi est-ce qu'il nous montre. Oh, Pedro Pascal, Pascal Cameron, ok. Yeah, ouais, ah, fuck. C'est euh. la même chose. Je suis, meilleur, je suis mieux que lui en stand-up. Ouais. Vraiment de loin, Peut-être que je suis moins bon pour lui dans Narcos. là. Il joue tout ça dans Narcos? ouais. C'est ouais. là où il est devenu populaire, ouais, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, il était très bon dans est ça. fucking bon. Ouais, ouais fait que c'est ça. Fait que, ouais, juste pour rire, c'est disparu. Euh, Quelqu'un d'autre va l'acheter, j'ai l'impression. Je, je pense même pas que le Québec a le droit de laisser mourir juste pour rire. Tu même le gouvernement peut pas laisser mourir juste pour rire. Mais je pense que le gouvernement donnait quoi 9 millions par année puis ça marchait pas. Oui, mais ils donnaient 9 millions pour euh, les, les festival extérieur. extérieurs. Ouais. Je pense que c'est tout ça, ça je, je sais pas mais parce que tu sais moi juste pour rire c'est grand au prochain stand-up ça, ça m'a vraiment beaucoup map vraiment beaucoup. ils ont fait beaucoup de, de bonnes choses pour moi. Là. mais ben, moi moi j'ai pas de problème avec eux moi, moi, moi je suis plus, plus. Ouais. moi je suis plus fâché. Que c'est arrivé à ce point-là, parce que ça fait des années que je leur parle de plein d'affaires, puis je voyais qu'il n'y avait pas de vision. Puis moi, j'avais je je, même parlé, à, à, puis je disais à, à Patron, je disais, je peux pas voir comment ça peut exister en 2025, mmh. si on continue de même. Je, je me demandais un peu c'est quoi leur production télé. J'en dirais que tout avait diminué, puis je sais pas trop c'est quoi leur modèle. Je ne connais tellement pas ça. Là, mais... Peut-être qu'il y avait trop de personnes en charge, alors personne pouvez prendre une bonne décision. Tu sais quand il y a trop de, de chefs dans la cuisine Mais je pense vraiment que les chefs c'était Rampat puis Marie-Julie là. Je pense vraiment qu'ils ont, ont pris à mener un navire qui était un peu en train, tu sais quand Gilbert était pogné, c'est tu sais, quand même un navire qui est en train d'échouer quand Gilbert. Mais je pense que est quand euh, les compagnies américaines ont rentré dans ça et tout ça. C'est sûr mm. qu'il y avait de pouvoir c'est c'est impossible qu'ils t'aient mis des millions de dollars puis tu n'avais rien à dire. Ben non, non, ben, il y avait 49% et le Québec avait regardé 51% pour avoir le droit au, euh, au, au financement en fait, c'est pour ça que le les entreprises québécoises avaient plus de pourcentage que l'entreprise américaine. Mais tu sais, Evenco, Groupe CH avait une partie belle avec quelque chose, tout le monde était ouais. divisé. Mais, euh, mais sûrement qu'il y avait peut-être un peut une manque de connaissance du milieu québécois ou je sais pas, comment c est, c est rejoindre le monde. Mais imagine, c'était pas juste notre milieu. Tout, même euh, l'aspect anglais, y, y c'est comme s'il n'y avait pas de ah. connaissance du milieu euh, moderne. Ouais. Euh, humoristique, numérique, tout ça. C'est comme s'ils m'avaient. Podcast, c'est comme si tu leur parles de, de extraterrestres. Il y avait. Non, c'est vrai. Ouais, il, y a, oui. il y avait plein de petites choses que c'est comme si la compagnie était, était coincée dans les années 90. Ouais, ouais, vraiment. Ouais. Puis, mais, mais en fait, je pense que aussi le, le milieu de l'humour, l'évolution du milieu de l'humour a nuit à Juste Progrès beaucoup, surtout à Montréal, parce qu'avec le bordel, avec le fait qu'on auto-produit plusieurs shows, moi, j'avais plus d'intérêt à la fin d'aller présenter mon show à, Just, à Just pour rire ou à Zoufest. Je l'autoprode, je reçois plus de revenus, euh, je peux faire ma publicité sur Facebook, tu puis finalement, le monde vient dans mes salles. Fait qu'après ça, on était comme tout un peu détachés de Zoufest et rire, qui devenait un festival, en fait. C'est comme si les, les artistes euh, plus professionnels, là, qui ont plus d'expérience, au lieu d'aller dans ces festivals-là, Restait autoprod. Fait que c'est comme si la... La, qualité. la qualité, si on peut dire, descendait. Mais Zoufès a descendu de qualité parce que tu les quatre levacs, J. temps qui était tout le temps là, euh, moi j'étais là, il y avait plein de monde qui était là. Euh, name it. T'sais. Puis ouais. là, tout le monde a fait Ah, mais je vais faire mes affaires de mon bar. Puis après ça, les gars là, les grosses têtes d'affiche, ont fait Hey, je ne veux plus faire des gars là, je pas besoin de faire des gars pour le salaire que ça vaut, je vais me faire un show solo quelque part. Fait que tout a descendu de coche. Puis, c'est même pas au niveau de la qualité. En fait, je dirais plus au niveau de la notoriété. Euh, c'est les gens qui plus de notoriété ont décidé de bouder ce festival-là. Fait, fait que oui, la personne qui nous a nourris pendant des années, à un moment donné, on a fait Hey, on n'a plus besoin de toi. C'est un peu aussi de notre faute. Là. Mais comme A, ça va bien pour eux, non? Ben, moi, je connais pas leurs chiffres. Là. Ils disent que oui dans les journaux. Là. Fait ouais. que tout a l'air de super bien aller. T'sais, moi, je ne sais pas. Je, ce qu'eux disent, ça va super bien. Ils ont pas de dette. Euh, le festival roule super bien. Moi, j'anime un gala cet été avec, nice. euh, à Québec avec, euh, avec ma conjointe. Puis, no, notre salle est déjà à moitié pleine. Puis, le gala est en nous. Euh, ça va super bien. Là. Si vous voulez des billets, euh, allez sur pascalcameron.com. Pascalcameron.com. Pour le monde de Québec, c'est le 13 août. On anime un gala. Puis, il va être, il va être vraiment. Euh, c'est pas un gala traditionnel. C'est un gala fucked up. On, a, on amène une proposition. On, on, a, on, a, on, on a proposé un gala. Qui n'est pas un gala de stand-up. Puis nous autres, on a fait, on va faire le gala, euh, c'est dans ces conditions-là. Tu sais, on aimerait ça. Puis ils ont vraiment aimé l'idée. Ils ont embarqué dans le projet. Fait qu'on offre quelque chose que pas, aucun autre gala n'a jamais offert. OK, c'est bon. C'est une proposition unique de l'histoire euh, des galas. Mais tu veux pas me dire c'est quoi? Je peux pas te dire c'est quoi. Dis-moi pas c'est quoi. Moi, je veux que ce soit Malheureusement Peut-être que je vais venir voir. Peut-être, on ne sait jamais avec moi. Moi, je fais des choses bizarres. Mais si tu étais à Québec, appelle-moi. Je vais te donner billet. Ben, c'est possible. Moi, <laughs> donner... ouais. ouais, je fais pas grand faire avec Comédie à moi. Non? Non. C'est vrai, c'est le fun. Le festival, l'été à Québec, c'est vraiment cool. Euh, moi, j'aime Québec. Quand les gens sont là ensemble, euh, on fait les afters. Après, ce qui est le fun à Québec, c'est que tout le monde dort à l'hôtel. C'est comme ça nous obligeait de passer du temps ensemble. Puis ce qu'on fait moins ici à cause qu'on a plusieurs bookings en même temps. Ouais. Là, tu pars d'un show, tu t'en vas à l'autre, tu t'en vas à l'autre. Puis après ça, tu veux rentrer parce que le lendemain, tu as un tournage de podcast, puis tu chilles pas avec le monde. Tandis que là, à Québec, pendant une ou deux soirs, tu es là. Après, tu t'en vas à l'after. Tu chill avec le monde. Tu parles avec du monde. Ça fait longtemps que tu pas vu. C'est comme si on avait une genre de gros. C'est comme notre party d'été. C'est ça que juste pour y était avant. Ouais. En ouais. juillet, on avait une gros party. Le monde venait dans l'after. Le monde se pétait à face. Ouais. Puis, euh, ouais, mais là, tout ça était comme a diminué. Mais là, à Québec, ça reste quand même notre, notre Noël du campeur de l'humour. Ah, ok, je vais. Veux... Ça avoir. serait cool. Ben oui, vraiment, ah. vraiment. Pourquoi pas? J'aime ça chiller avec des humoristes. Puis, pour vrai, il y a plein de monde intéressant. Là. Puis, tu finis par rencontrer même des idoles de jeunesse qui passent par là, chiller un. Hulk Hogan? Genre Hulk Hogan, boire avec Norman Brathwaite à une terrasse. Puis, juste chiller là, là. Tu sais, euh, y a t encore des rivalités maintenant? Y a t des gens qu'on sait qui ont du bif ensemble? En humour? Ouais. J'espère. J'essaie de penser J'en je connais pas, dire. mais j'espère qu'il y a des gens qui saillissent. J'en connais pas non plus, mais c'est sûr que ça se passe. Ben oui, il y a des gens qui s'aiment que... pas, ben oui, pas, mais en fait, je pense qu'il y a des gens qui ont une personnalité qui est un peu désagréable. Fait que... Ça, c'est différent, mais je veux dire, des... comme rivalité qu'on sait que lui, il est contre lui ou elle, puis il saillit, puis il veut que l'autre. Euh... Je pense pas ça. Non, hein? ouais. Moi, j'ai Charles Deschamps. Mais c'est vraiment ça, normal, juste ça, pour le fun. Ouais. C'est vraiment plaisir. J'ai aussi Anthony Rumiard, Joe Guérin. j'aille beaucoup. Ben Lafay. Joe Guérin? Ben Lafebvre aussi, je les Mais il n'y a pas de beef, je pense, en ce moment, du mot. Euh... Okay, ben Poseidon, je ne sais pas si ça s'est relié. Le... Ben, ça, Huge Transsexual Prostitute. <laughs> tu vois quest ce qu'il cherche avec mon nom? Huge Transsexual Prostitute. Ok, ok. Brawl. C'est un y... transsexual prostitute brawl. <laughs> 100 strong ladyboy. Lady mob oh. fighting in Bangkok. So, so, turf so, war. Alors, c'est uh, des, des prostituées oh, transsexuelles contre les ladyboys, mais c'est des centaines contre des centaines ouais. pour le turf. Bon, qui, va, la... qui va se prostituer ici? Les Lady non. Boy ou les trans? C'est les, les Philippines contre les Lady Boy Thai de ban, euh, en, en Bangkok. Oh mon dieu, c'est -ce 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 une tu... grosse chicane d'autre. Euh... Ça, ça c'est le bif. Ça, c'est le bif de, de, de la décennie. Poseidon. Hein. Tu prends pour qui, toi? C'est qui tu aimerais qu'il gagne? Les transsexuels euh, ou les Lady Boys? Les Lady Boy. Pourquoi euh, les C'est quoi la différence euh, Je suis anti-trans. La lady, <laughs> les la, les Ladyboys, c'est quoi la différence Ils ont gardé le pénis, c'est ça C'est juste ça la différence Ouais. Puis les Ladyboys sont pas genre. Euh... Mais tu sais qu'est-ce que, qu que ça montre, ça Quoi Les trans puis les Ladyboys, que, que. You can try to take the boy out of the lady, mais tu peux pas. Ils vont toujours réagir comme oh des fucking God. boys. Toujours, My bro. God. Yes, that's the comment. Ouais. <laughs> no. Parce que moi, je vois pas des femmes, euh, for, uh, des centaines de femmes pour une turf war comme ça. Il, ça, c'est il... juste nous qui font des bêtises <laughs> de même. Ils pètent les policiers. Ouais, bro, ça ouais, c'est. Check les policiers, man. C'est ça... pas vraiment lady. Oh non, c'est pas, c'est pas lady Diana du tout. Ça, mm -hmm. là. Eh mon dieu. Mais quelle batte? Toi, tu prends pour qui? Lady boy ou les trans? Moi, je veux de paix. Je veux qu'ils se calment ensemble, ils disent « On va offrir une option pour tous nos clients. Est-ce que tu veux trans, Ladyboy? T'as des options. » Moi, je ferais genre... check cinq. les policiers, check leur face. Ils peuvent pas croire. Tu sais qu'est-ce que je comprends pas? Ça peut pas être la même personne. C'est ça, elle, elle, elle par-dessus, puis elle frappe. Oh shit, bro. Mais Poseidon, ça peut pas être la même clientèle. Oh! Ça peut pas' son être... sein? Je... Son sein est sorti. Moi, je l'ai je... juste vu tomber, mais... Je pense que c'est sa perruque qui est enlevée. Imagine pas de il comme policier, tu rentres chez toi avec des, des <laughs> bruises. Puis tu dois expliquer ça à ta femme. -ce se... Tu ne vas pas me croire. <laughs> tu ne vas pas me <rire> croire. Il a fallu que je sépare des ladyboys. Puis des trans. Tu ne vas pas me croire. Il va être détruit pis et tout. C'est des gens. Tout, tout, tout le monde est prostitué. Puis ils sont victimes. Ils <laughs> kick. Ça a pas wow. de sens. C'est ça que le monde qui live stream. Ben oui, mais qu'est-ce que tu fais, toi? La... Oh my god. TikTok, bro. Man. Incroyable. Man. Toi, toi Pascal, c'est qui? Tu votes pour qui? Tu veux ah, Moi, je, je vote les, les trans. J'ai oh. ça, les gens qui font les trucs à moitié. Là. Ah. <laughs> juste t'enlèves tout ou tu... C'est euh... elle qui elle, tombe, euh... genre. Oui, elle. Mais après ça, elle va monter par-dessus puis elle va aller fesser au milieu quelqu'un. Mais... Fuck. Oh my God. Bro, this is oh crazy. Pas de souliers. Puis pourquoi t'attaques les. Oh non, elle attaque. Les policiers les bloquent, mais ouais, elle, elle essaie de d'attaquer de le, le, le lady boy. Ok, chose. Ou Imagine, tu penses que tu brises une bataille de forme et tu te fais frapper par un pénis d'en face. Je <laughs> sais même, même pas qui, qui est hey, qui. Which one of you ladies hit me with her <laughs> ben C'est lady Boys, ça. C'est sûr, ouais. Parce que les il trans, ils si ont euh, pas mais de pénis? Tu, Non, mais tu peux être trans pas au complet, non? Mais t'as pas fini ta transition. Ouais. Attends, tu sais quoi? On va googler ça. We're going to get to the bottom of it. On va voir c'est quoi la différence. Ah, we get on to peut, the pas trouver, on peut pas le trouver. On peut pas yeah. le trouver. Tu sais pourquoi? Parce que c'est différent pour tout le monde. Parce que moi, je connais des trans qui ont gardé leur pénis. Ouais, ben pour moi, elles sont paresseuses. <laughs> euh, mais non, mais. Euh, non, je pense qu'il y a. « What is the difference between a ladyboy and trans a transsexual? »« c'est as transitionner vers le nouveau sexe. »« Ouais. »« Puis il t'a dit « ladyboy uh, »« is a porn term. Uh. »« Ah. »« Mais c'est la même chose. »« C'est la même chose, ça? »« Non, non. Regarde en bas, Amy. Amy Rachel a répondu. »« Ouais. »« Les deux sont des subsectes de transgenre. OK. » Que ça, c'est même pas les différents sectes qui se battent. Là, là c'est les sub-sectes. Mmh. C'est que... comme l'islam. C'est comme si les sunnites puis les chiites... Ouais. Ouais. Je pense que c'est la meilleure façon de d'expliquer. Ouais. C'est ouais. comme si les sunnites... C'est les nuclites contre les old dicks. C'est vraiment ça. <laughs> c'est first old dick. New clit, okay. old dick. New clit old Oldick. Okay. Mais tu peux pas imaginer mettre un politicien là-bas quand on a une situation puis là il essaie d'expliquer qu'est-ce qui se passe puis t'es comme. Mais j'habite où? ce qui est fructueux, c'est que cette situation-là est ridicule. Ouais. Mais si tu mènes n'importe quel autre, ça reste ridicule quand même. Ouais, mais on est les seuls qui vont le dire. L'autre vont dire non, c'est normal, c'est des religions, c'est normal. C'est pas normal, c'est tout le temps, c'est ridicule. Moi, je suis oh avec oui, toi. Mais les deux autres, là, je sais comme c'est ridicule. Mais si tu mets un chrétien puis un musulman ou un juif qui font la même affaire, pour moi c'est encore ridicule. Qu'est-ce Qu que vous faisiez C'est encore ridicule. Qu'est-ce que vous êtes en train ni... de faire quoi N'importe qui qui se bat pour un coin de rue pour la prostitution, <laughs> pour moi c'est quelque chose de drôle. Si tu te bats pour un coin de rue, comme te bats pour un coin incroyable. de rue, pour aussi pour vrai, pour prêcher la, ta parole. C'est fou, ridicule, bro. bro. Calme-toi. Tu vas vivre. Insane. Et ça, ça c'est, ça c'est juste drôle parce que. Doit, pour tous les employés autour, tu sais tu as vu le Ramada Hotel en arrière ouais. C'est difficile, c'est vraiment vraiment dur pour toi d'expliquer à ton conjoint qu'est-ce t'as fait aujourd'hui. Eh hey, mon dieu. Tu vas pas me croire. On pas ça, qu ça, frappe... qui On sait même pas comment ils savent qui est, qui qui est tra... qui qu est Ouais ouais, je pense qu'ils se reconnaissent comme parce que comme moi puis toi puis d'autres humoristes on se connaît. Alors si c'était les humoristes contre les clowns, on va savoir c'est qui. Ah quel. lui, c'est fait tabasser là. <laughs> My Holy God. shit, bro! Oh shit! Oh oh! On ne sait même pas qui l'a tabassé, mais ça a l'air d'être. Oh oh, on a trouvé un nom. C'est lui. Il va toute seule. Oh, le supplie. Japonais, c'est du japonais. Le supplié le... excuse moi. Ça doit être, la vie doit être difficile là-bas, mais dans... quand c'est rendu que tu te bats pour un coin de rue, c'est ta vie est off. <laughs> mais dans les Philippines, ta puis Taipei et tout ça, c'est pas facile de Appara vivre là-bas. Apparemment les, 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 les Trans Philippines étaient genre undercover, ils, sont, ils ont euh, Ils savent pas que c'était des Filipinos? Ouais, puis ils, ils sont allés là ils, ils ont infiltré dans les Ladyboys pour genre to take over des Ladyboys. C'est tout une apparemment, affaire. Apparemment c'est ouais. ça l'histoire. Oh soirs. shit. Ouais, 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 Apparemment, c'est tout comme un genre conspiracy theory. Euh... Mais je suis allé en Thaïlande, en fait. Moi, j'ai voyagé là-bas. C'était quoi ton, ta préférence, Ladyboy ou trans Filippino? Et pour vrai, j'ai. Euh... C'est difficile de choisir. Hein. Je me faisais juste tu sucer. Sais... Puis, comme, yo. C'est pas vrai. Tu peux parler Philippines, Philippine, mais non, vrai. ou Thaï, moi, je comprends rien. <laughs> mais... Je sais pas la différence. Euh, en, fait, en fait, je pense que. Euh... Euh, on en a rencontré plusieurs, là. Ouais. Euh, J'étais avec des gens, puis à tu sais, chaque fois qu'on rentrait dans les bars, il y avait des gens qui étaient là pour la prostitution, mais c'est un commerce qui est tellement énorme. Là-bas, oui. C'est un moteur économique, qui mène des messieurs qui sont là pour ça, qui s'ajettent du monde pour des week-ends, que ça n'a pas de sens. Tu sais, c'est pas j'ai beaucoup a été intégré par la guerre du Vietnam aussi, c'est les, les Américains. Ouais. J'ai des amis qui habitent aux Philippines, des Filipinos. Yep. Euh, je travaillais avec eux avant. Uh, puis j'ai un gars, je pense, qu'il va venir l'été, à Montréal. Pour, il est jamais venu à Montréal. Alors, anyways, lui m'expliquait que, qu'est-ce qui se passe aux Philippines maintenant, c'est que dans les villages, la plus grande fille de ta famille, elle, elle doit partir, puis elle va dans les villes, puis elle fait du prostitution, whatever, pour avoir de l'argent, puis elle, elle, renvoie ça chez eux, pour des fois pour ses enfants aussi, des fois elle oh a ouais. des enfants. Puis c'est juste la normalité, c'est on comprend que c'est ça qu'on doit faire. C'est fou. Ouais oui, oui, oui c'est ça c'est rendu un choix de carrière c'est même pas c'est rendu fait ça là tu vois ouais. Ouais. ouais avec ça c'est très gênique. je veux pas te terminer le podcast avec ça dis-moi quelque chose de bon que tu vas faire pour que le monde te suit puis te supporte mais mais je, moi je veux pas que les gens me supportent là écoute arrête de, de dire des bêtises juste que les gens si t'aimes ce que je... moi je veux pas être encouragé par personne là moi Genre... je t'encourage tout le temps faut pas. Let's go pas. Pascal, let's faut, go. Faut... Je parle au monde de toi. Je dis que t'as tu vu Pascal sur la scène. Pas Pascal est fort. <laughs> Mais à y a comme des gens qui font comme hey, j'ai acheté des billets pour ton show là, je vais t'encourager. Je fais comme encourage-moi pas là. Juste, achète des billets pour voir le show. Si t'es pas m'encourager. C'est ça l'encouragement. C'est en va... achetant les billets, non. ils t'encouragent parce qu'il voit que le monde t'aime. Toi, tu, tu peux le voir achète, que le monde t'aime? Achète des billets pour te faire plaisir. Oui, bien sûr. Si ça te fait plaisir, achète les. Si c'est pour m'encourager, va regarder des U8 jouer au soccer puis cheer pour les U8 au soccer. Mais si tu veux voir un show du monde, puis ça va te faire plaisir à toi de venir rire. Puis Moi, je pensais que c'est une, une manière de parler. Quand ils te disent le monde et je veux t'encourager, c'est comme. Parce qu'encourager quelqu'un, c'est comme, hey, je vais t'acheter une palette de chocolat pour t'encourager dans ton projet. Oh, c'est okay. très, très infantilisant. Chouer avec toi. Oui, parce qu'encouragez-nous pas, venez, venez voir une belle soirée du monde, venez ouais. rire. C'est ça que tu viens de faire. On veut vous encourager de sortir de chez vous puis venir voir un euh, bon show. J'en parlais l'autre jour, puis les shows en ce moment-là, c'est le seul moment de la journée où tu sur ton téléphone cellulaire pendant une heure et quart. Mm. Pendant une heure et quart, une heure et quart, une heure et demie, tu vas pas être sur ton sel et ça, c'est n'est pas négligeable. Puis en plus, euh, Parce que pendant si es toncelle, nos shows, je vais t'insulter. Puis pendant ton show à toi, <laughs> c'est pas eux qui crient le N-Word, c'est toi. Je, Alors, tout change. C'est comme une autre dimension. Je voudrais juste dire que je n'écris jamais le N-word. J'écris plein d'autres affaires, mais pas le N-word. Non plus? C'est fini. T'as arrêté? C'est fini. Okay. J'en ai parlé à des, des collègues humoristes, puis. Ont... Moi, je le chuchote encore. Tu chuchotes encore? Ouais, ouais, je voilà. veux pas crier parce qu'ils disent non, ça, c'est pas ton rôle. Non, Alors, je, je le chuchote. Je suis pas, le, je suis pas Quand le... je suis dans le trafic, je suis pas game. J en, j en, j en, j en, ils me font trop peur. <laughs> Pascal Cameron, merci d'être venu au Frenchcast. peace out acon convict music somigo solen